Merci Chita. Comme nous avons un peu de temps, nous avons invité vous pour que vous capable de baisser tête pour nous prier. Éternel bon Dieu, vous connaissez nous, vous connaissez faiblesse nous, vous connaissez nous pas un Seigneur, mais nous venons la caillou pour nous attendre en parole de vous-même. Pas quitter nous sortir là sèche, pas quitter nous sortir là Seigneur, sans que nous pas gagner une nouvelle motivation. Prends contrôle l'église là, prends contrôle bouche moi, prends contrôle l'esprit, prends contrôle oreilles nous chaque et que permette que ça nous besoin pour saluer nous, on capable faire nous entendre li quel que soit ça qui dit là, mais que ou même on capable parler dans oreilles nous chaque, dans cœur nous chaque et que Saint-Esprit capable travailler dans nous-mêmes et que nous capable rester scellés pour retour Jésus. Amen. Frères et sœurs, moi remé. C'est quoi bagaille moi remé, c'est remé. Pour moi même pas des bagaille qui plus belle, qui plus extraordinaire, qui plus puissant que l'amour. L'amour qui capable de transformer un monde, qui capable de faire le faire, bagaille pas de jamais imaginer que t'a fait un jour dans ville. Et nous un exemple d'aimer partager avec nous, c'est l'amour prince Harry pour Meghan. Depuis la première fois que Prince Harry a fait une note sortie dans le palais royal, le premier sali mette dans la note, là, c'est souci li pour sécurité Meghan. C'est inquiétude li pour que Meghan soit capable de bien. Et c'est comme elle te fâchée tout dans la note ça, parce que y a un pile de monde qui t'a critiqué, fait ça à que te remet. Et parce que tu as un souci pour que tu protéger mais gain que tu remet, ça fait lui fait en pile sacrifice. Lui abandonner en pile bagaille alors que lui fait non famille royale, lui abandonner famille ça, lui quitter pays lui et pour que lui capable assurer que moun ni remet hein, capable vivre heureuse et en paix côté ou pas parler toute journée de lui-même. Et si un moun capable faire tout ça pour yon moun li remè sous terre, à combien plus forte raison que nous capables imaginer, bien que nous pas jamais capables d'arriver imaginer profondeur, largeur, l'amour bon Dieu pour nous-mêmes. Et apôtre Paul lui dit concernant dans Éphésiens 5 verset 2 que Jésus tellement remè nous que li livré li comme une offrande, comme un sacrifice, comme un parfum d'agréable odeur à Dieu pour lui capable sauver nous. Mais matin, on pas parler nous de l'amour bon Dieu pour nous-mêmes parce que nous connaissons ça déjà. Même d'aimer faire contraire là. D'aimer parler nous de l'amour yon moun pour Jésus et comment l'amour ça a transformé la vie. Et c'est ça qui fait petit message là, c'est Marie de Magdala, l'expression d'un amour inconditionnel. Il y a une pile définition yo bay sou l'amour. En pile philosophe, poète, écrivain parler de l'amour. Mais il y a une définition d'aimer partager avec nous matin hein, que moi je n'ai pas passeport santé. Il parlait de l'amour inconditionnel. Li di son l'amour qui pas gen limite, c'est une manière que yon moun remè yon lot moun entièrement qui fait li accepter li jan li ye a et sans réserve malgré li konnen défaut li et malgré li konnen sa ki faible nan li même. À l'exception de Marie maman Jésus, pas gen yon moun nan Bible la que yon qui fait parler de li même que Marie de Magdala. Gen en pile écrivain, en pile poète, en pile artiste qui parlait de Marie de Magdala. Pa gen un monde que yo écrit sous lui-même plus que Marie de Magdala. Pa gen un monde que yo fait peinture, fait sculpture plus que Marie de Magdala. Et parce que il était joué un bel rôle dans la vie Jésus. En 2002, gagné un professeur dans l'université Georgetown qui relait Diane Apostolos Capadona, il t'a fait un exposé qui était gain petit ça à la recherche de Marie Madeleine ou bien Marie de Magdala. Et il t'a joint plus que 80 œuvres d'art et objets
qui te représente Marie de Magdala. Qui est Marie de Magdala? C'est Luc qui première fois parlait de lui-même. Et comme pour être capable de distinguer lui de toute l'autre Marie, parce que il y a un pile Marie dans la Bible là, il était surnommé Marie Madeleine ou bien Marie de Magdala en référence à côté il était sorti à un village dans Galilée qui était relé Magdala qui signifie tour. Marie de Magdala, ça qui fait le plus célèbre, c'est parce que, d'après Jean, c'est le premier monde qui voit Jésus l'a ressuscité et qui joue un message qui est plus important pour te porter par les disciples. Mais ça qui fait Marie de Magdala lui-même, lui te fait gros miracle ça, à savoir ouais, Jésus qui ressuscité. Eh bien, c'est parce que Marie de Magdala lui te gagne un problème. Luc 8, verset 1 à 3, lui dit non comme ça. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Mais comment Marie de Magdala t'est rencontrée avec Jésus? Marie de Magdala t'a gagné 7 démons. Et pas qu'on est sinon qu'on ouait un monde qui gagne mauvais esprit. C'est une bagaille qui pue Dieu qui est capable de briver un monde pour gagner un mauvais esprit. Parce que l'on gagne mauvais esprit, ou perdu personnalité, ou perdu dignité, ou perdu tout sorgue, parce que mauvais esprit est capable de faire n'importe qui tintin. Ou ka la gonan de l'eau, ka la gonan du feu, ka fo marcher tout ou nul, ka fo manger, wash manger bouteille, n'importe bagay ka arrive yon moun ki gen mauvais esprit. Donc, imaginez comment Marie de Magdala t'a souffri, non seulement lui-même, mais famille, les moun ki te remeni, à cause de mauvais esprit, se t'a tourmenté. Et l'heure te rencontrer à Jésus. Jésus te fait un bagage pour lui que le pas de jambes t'espéré. Que l'argent pas capable de bali. Que l'abbé pas capable de faire pour lui. Que le pharisé pas capable de faire pour lui. Jésus te délivré lui de 7 démons. Et parce que Jésus te délivré Marie de Magdala de 7 démons, Marie de Magdala lui prend décision pour que lui montre reconnaissance lui envers Jésus. Et parce que elle voulait montrer reconnaissance envers Jésus, Marie de Magdala a décidé pour que lui capable ba Jésus tout l'argent que lui t'a gagné. Parce que dans même Luc 3 dans même Luc 8 là, il dit comme ça. Si nous prenons verset 2 à 3, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti cette démon. Jeanne, femme de Chuza, était dans des rôdes. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Donc Marie de Magdala, en reconnaissance avec Jésus, puisque Jésus t'a retiré des démons, ça y est, la Kaili. Li te gen tout bien, li te mette au service de Jésus. Moun ki fait un pile recherche sur la vie de Marie de Magdala dit comme ça, Marie de Magdala te gen un pile l'argent. Non seulement te gen l'argent, mais li te financièrement indépendant parce qu'on gen doit gen l'argent, mais on pas qu'à disposer l'argent ça argent ou vle. Mais Marie de Magdala lui-même, li te gen possibilité pour que te disposer l'argent que te gagné, l'elle te fin guéri et qui ça lui fait à l'argent ça, li mette li pour que Jésus capable faire ministère li. Mais non seulement Marie de Magdala, par reconnaissance à Jésus, te mette l'argent à disposition de Jésus et des disciples, li te fait un autre pas en avant. Marie de Magdala, pas seulement by l'argent, mais li te mette tout lui-même à Jésus. Il y a un proverbe qui dit, vous pouvez donner sans amour, mais vous ne pouvez pas aimer sans donner.
Et puisque Marie de Magdala te remet Jésus, lui te ouais, bah Jésus l'argent, pas suffit seulement, lui te décidé pour qu'il te bah Jésus la vie. Li. Et parce qu'il te décidé pour te bah Jésus la vie, li, eh bien, lui te quitté Magdala. Lui te quitté Galilée. Zone que le te connaît, zone que le te fait, quand elle te gagne famille, quand elle te gagne amis, il te choisi pour que le te capable suivre Jésus dans pérégrination. Il te quitté Magdala pour le te suivre Jésus de ville en ville, de village en village, avec une équipe l'autre monde. Il te suivre Jésus de Galilée à Jérusalem. Il te suivre Jésus de Jérusalem à Golgotha, côté Jésus. Jésus t'est cloué entre deux brigands. Le Jésus cloué sous quoi? Pierre qui était toujours là pour Jésus pas là. Toutes 12 disciples, toutes 70 yo que Jésus t'est voyé à faire mission. Qui t'a vinn dit comment yo t'a fait un pile miracle dans Jésus. Pas gen youn qui t'est resté là pendant que Jésus t'est sous croix. D'ailleurs, en pile moun t'est peur pour t'est associé avec Jésus dans moment ça, de peur pour que yo pas mourir. Mais Marie de Magdala lui-même, il t'est resté là. Marie de Magdala t'est resté là parce que il t'est songé gagnon l'heure. Il t'est abandonné. Gayon l'heure, il pas gen espoir dans la vie. Gayon l'heure moun t'a passé la bêtise. Gayon l'heure c'est lui-même qui t'est objet jouman moun. Jésus t'est réparé. Jésus t'est rebal dignité li. Jésus t'est réintégré dans société et il décidé pour le camper là pendant que Jésus sous croix, pendant que moun a humilié Jésus, lui-même li camper là. Tout disciple yo allé, mais lui-même li camper là avec Jésus. Marc, Luc, Matthieu, yo dit que Marie de Magdala avec un pile mesdames yo, yo te campé à distance pour que yo te voit Jésus qui t'a crucifié, Jésus qui t'a souffri. Et ta qu'on nous joigne dans Luc 23, il dit comme ça. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de José et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée. Plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Mais Jean lui-même, dans le chapitre 19, dans verset 25, il n'a pas dit que Marie de Magdala était campée à distance, t'a gardé Jésus sous quoi. Il dit comme ça, auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Je n'ai pas seulement dit ça. Je n'ai pas seulement dit que Marie était là, mais il dit que Marie était prête à quoi. Il y a un commentateur qui dit comme ça, Marie de Magdala avec l'autre mesdames, yo, pour commencer, ils étaient un petit Jean loin de Jésus, ils ont gardé Jésus qui a souffri. Mais ils ont senti qu'ils étaient loin de Jésus, pas de Jésus assez de réconfort. Ils ont décidé, ils ont même avec maman Jésus, même au prix de leur vie, pour avancer plus près de Jésus, pour faire Jésus connaître, ils n'ont pas pour compte dans ce moment. Ils ont été là avec lui, ils ont souffri avec lui, parce qu'ils ont été remis. Mais Marie de Magdala, il n'est pas seulement là sous bon côté de Jésus pendant que Jésus était sous croix. Le Jésus fin mourir, Marie de Magdala, il était là. Le yo descend Jésus sous croix, le yo enseveli Jésus. Le Joseph d'Arimathée et Nicodème prend Jésus, Marie de Magdala, il était là. Dans Matthieu 27, versets 60 à 61, il dit comme ça. Il le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre.
Marie de Magdala pas seulement là pendant que Jésus sous quoi lui suivre quand Jésus qui mourit lui aller ouais côté Jésus enterré elle chita devant tombeau pour la garder Jésus mais comme ça était presque arrivé lui pas capable rester devant tombeau Marie de Magdala avec l'autre mesdames yo yo était obligé de déplacer moi imaginez Sabat ça c'est un sabat qui était plus long que Marie de Magdala était vive dans ville. C'était un sabat qui était plus triste parce que pendant que ange a adoré bon Dieu, pendant que en pile mon a fêté à Jérusalem parce que finalement il a fini avec Jésus, Marie de Magdala dans sabat ça a crié parce que moun li remet li nan tombeau. Moun li remen, moun sa ki te geri lan, moun sa ki te tout bagay pou li, moun sa kounye ya, an batè. Et imagine que Marie de Magdala pat dormi jou swa sa. Li tap tann ki lè pou lè arrive, ki lè pou sabat fini, pou ke li te kapab ale bon kote Jésus. Et effectivement, la Bible fait nous connaît que nan Matthieu et nan Marc, que le sabbat fini, Marie de Magdala et Marie maman Jacques et Salomé, yo acheté aromate pour yo te capable venir embaumer Jésus. Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au sépulcre comme le soleil se levait. Marie de Magdala pas capable de tenir les jours pour que lui était capable aller côté Jésus t'est enterré pour t'être capable à embaumer comme corps Jésus. Et Jean dit comme ça dans Jean 20 dans verset 1er, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était roulée. Si Marc, Matthieu avec Luc, ils ont mis en pile fille qui était accompagnée Marie de Magdala, mais Jean montrait que premier monde qui était allé au tombeau, c'est Marie de Magdala. Et puisqu'elle est arrivée, que ce soit Matthieu, Luc ou bien Marc, ils reconnaissent que le premier monde qui est arrivé, même s'il était avec l'autre monde, c'est Marie de Magdala qui était bon tombeau. Et elle est arrivée bon tombeau, lui, on bagaille, il n'est pas capable de comprendre. Tombeau vide. Et puisque tombeau vide, et comme c'était une fille qui était chaude, qui était toujours là, qui était toujours et prêt pour que lui te mette maintenant pas là. Donc bagaille qui était monté dans l'esprit lui tombeau vide il va comme ça pour le faire et bien il va chercher deux monde qui étaient plus près de Jésus. La Bible dit non comme ça dans Jean 20 verset 2 que Marie de Magdala il était couru aller côté Jean avec Pierre Théé, il dit au comme ça que mais il allait tombeau vide il pas Jésus ni pas comme ça il fait avec lui. La Bible dit comme ça que Jean avec Pierre, ils ont couru. D'abord, Jean courut et Jean arrivait en vent, mais il n'est pas approché. Pierre arrivait, Pierre rentrait dans le tombeau, il gardait les linge qui plié et Jean rentrait après lui. Il a gardé, le fin gardé, il a viré d'eau, il y a la caillou. Deux messieurs qui étaient plus proches de Jésus. D'ailleurs, les gens parlaient de tête, ils disent, disciples, que Jésus te remet. Pierre qui te dit, Jésus m'a tellement remé, même si tout le monde t'a remis, moi-même, pas jamais quitté. Et pour commencer, nous te voyons comment Pierre t'est prêt. Là, il est venu pour arrêter Jésus. Pierre a décidé de prendre un couteau pour que lui coupe les oreilles, Marcus. Mais le Pierre est tombé en vide. Les gens sont tombés en vide. Ils n'ont pas fait rien. Seul ça y a fait, c'est retourner à la caillou. Mais Marie de Magdala, qui était tellement remé Jésus, pas capable d'imaginer pour la chiter à la caillou, pour la coucher à la caillou, pour la manger à la caillou, sans que lui pas connaisse qui s'arrivait de corps de Jésus. Et Marie de Magdala, était beau sépulcre là.
La Bible dit non seulement nous étions bon sépulcre là, mais puisqu'elle n'est pas capable de connaître qui s'écrivait le corps de Jésus, elle t'a crié. Et pendant que l'a crié, elle avançait tête li bon tombeau. Et li ont lumière dans ton bois. Li ouais deux anges qui en dans ton bois qui chita. Youn nan pied côté yo te enterré Jésus, yo te mette Jésus couché et l'autre là dans tête li. Et ange yo parlé avec Marie de Magdala. Yo dit li comme ça: "Femme, pourquoi pleures-tu?" Et Marie de Magdala avec gloire dans yeux, l'a dit ange yo: m'a crié parce que yo levé maintenant et m'pa connait qui ça yo fait avec lui. Et Marie de Magdala pas capable que bé glou dans yeux lui. Et Jean dans Jean 20 lui rapporter pendant que Marie de Magdala t'a crié, lui viré tête lui et lui aperçu un monsieur. Et monsieur a dit lui: "Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?" Et Jean dit: "Marie de Magdala te pensé que c'était jardinier, c'était monde qui t'a occupé cimetière là." Il dit monsieur en consacre: "S'il vous plaît, si c'est vous même qui prend comme mettre moi hein, fais-moi connaître non qui bolier, comme ça me va prendre." Nous imaginer que Jean avec Pierre qui c'est garçon qui robuste, yo allé et Marie de Magdala lui-même lui décidé non seulement pour le connaître côté corps Jésus mais lui décidé pour que lui-même lui prend corps Jésus pour la mettre lui en côté lui connaît qui assuré, un côté qui sécurisé. Est-ce que gon plus gros mat d'amour que ça? Et le Jésus est comment Marie de Magdala remène. Comment Marie de Magdala, c'est pas dans la bouche seulement, mais c'est avec toute fibre corps, c'est avec chaque goutte d'eau qui dans chaque goutte de sang qui dans veine que il remène Jésus. Jésus dit: "Marie." Et même côté Marie connaît voir ça. Li konnen moun sa ki cité non ni. Li konnen pa gen yon moun ki cité non sa. Jean Jésus c'était non nan. Et Marie saute de joie. Li dit: "Rabouni." Moi imaginer comment Marie a pompé le li wè Jésus. Comment li a envie voler sous Jésus. Mais Jésus dit: "Marie, campé. Ou pas capable manger. Par contre, moi go un message pour m'baou. Moi go une commission pour m'baou." Marie le temps de voir Jésus, senti que la vie est restaurée. Il senti que il pas même mon encore. Il senti que la vie reprend dans lui-même parce que il rencontré avec mon ça il remet. Mon ça qui change la ville, mon ça qui ba la dignité, mon ça qui remet elle dans la société. Elle était prêt pour te faire quel que soit ça Jésus te mandé. Et Jésus dit lui comme ça: "Al di disciple moi yo, frèm yo, que moi ressuscité. Et men ki kote m'attend yo à Galilée." Et la Bible dit que Marie de Magdala courit. La di disciple yo ça. La di disciple yo comme nous wèn notre côté sœur Oudline te li pour nous dans Jean 20 verset 17 avec 18 yo dit non que Marie de Magdala li recevoir message là et li courir là dit disciple yo li wè Jésus. Jésus ressuscité, mais qui ça Jésus dit li? Et l'autre évangéliste yo dit que disciple yo pas quoi mesdames yo pas quoi Marie de Magdala. Yo te pensé que c'est rêve y a fait. Yo te pensé que comme il t'ai mauvais esprit, peut-être ces mauvais esprit a cap reprendre encore qu'a fait le déparler. Mais Marie de Magdala te tellement de certitude, li tellement te dit ça avec force que yo t'ai obligé accepter ça. Marie de Magdala te dit: "Frère moi avec sœur moi." Marie de Magdala, c'est lui-même qui était première prédicatrice qui t'a gagné.
C'était première directrice ministère personnel. C'était première missionnaire qui t'a gagné pour te annoncer au monde plus grand message d'espoir que le monde pas de jambe t'a capable de recevoir dans la ville. C'est que Jésus ressuscité. Pas de plus grande espérance que le monde capable de soutenir ça que la résurrection de Jésus. Jésus mourit pour nous-mêmes, c'est un bel bagage. Mais peut-être qu'il y a qu'un espoir pour nous si Jésus était resté dans le tombeau. Ça qui fait force dans moi, Jésus, c'est la résurrection. Et c'est Marie de Magdala qui était premier monde, qui était joué un privilège ça pour te dire que Jésus ressuscité. Ça qui fait bagarre la plus intéressant, c'est que dans la culture juive, la fille n'est pas capable de témoin. Là, on bagarre passé, c'est à chercher un monde pour capable de certifier bagarre là. Il faut d'abord jamais prendre une fille, il faut d'abord chercher un garçon. Mais Jésus, non seulement il restaure Marie de Magdala, mais il crase les barrières culturelles. Il ne va pas chercher un garçon pour te dire que Jésus ressuscité. Mais c'est une fille, c'est Marie de Magdala. Mounsa a que mauvais esprit, tu as fini avec lui. Parce que Marie de Magdala t'a aimé Jésus avec toute âme, avec toute force, avec toute triple, avec toute pensez-lui, Jésus t'a confié l'émission ça. Frère mio avec soeur mio. Moi j'ai un dilemme. Dilemme moi j'ai. C'est que moi même avec vous. Nous gagne certitude. Et parfois nous dit même avec fierté et orgueil. Que l'église ça nous la donne, c'est la vraie église et c'est vrai. Nous reconnaissons que l'église ça c'est lui-même qui gagne les commandements de Dieu et qui gagne la foi de Jésus. Dans la semaine nous étudions, nous dit ça bien fort avec bouche nous, mais même je avec disciples. Est-ce que nous vraiment croyons que Jésus c'est lui-même qui a gouverné l'église ça? Disciples étaient avec Jésus pendant 3 ans et demi. Disciples étaient en pile expérience que Jésus t'a fait. Jésus t'a dit disciples à plusieurs reprises que m'gué pour mourir, m'a ressuscité dans 3 jours. Yet, le Jésus ressuscité, disciples pas quoi le mari de Magdala vient dire ça. Est-ce que moi et avec vous, c'est pas dans même piège là nous prend? Même gens avec disciples, nous avons dit dans la bouche nous que Jésus a retourné. Mais est-ce que nous croyons vrai que Jésus a retourné? Est-ce que nous pas peur? Même gens disciples ont peur pour te dire Jésus ressuscité. Est-ce que nous pas peur pour nous dire tout bon vrai que Jésus a retourné? Parce que nous pas vrai parmi les gens qui ont menti. L'autre dilemme que j'ai gagné, peut-être. Ma pensée, si nous croyons que Marie de Magdala, c'est lui-même qui te recevoir un message, ça, c'est peut-être Marie de Magdala, tu es tellement connu en pile bagaille dans la ville. Marie de Magdala, tu es tellement descendu bas dans la ville. Et parce que Jésus restauré, parce que Jésus changé, c'est normal pour que tu aies à tout cœur, à toute force. Pour te faire les devoirs, pour te remettre Jésus et pour te annoncer à tout le monde que Jésus t'a ressuscité. Peut-être nous-mêmes, nous estimons que depuis que nous faisons l'église, nous ne faisons rien mal. C'est vrai, Jésus qui est vivant. Nous disons merci. Mais peut-être nous pensons que nous ne pouvons pas pécher assez. Nous ne pouvons pas faire ça qui m'a lassé, qui pour pousser nous remet Jésus. Jean-Marie de Magdala remet Jésus. Peut-être nous ne pouvons pas dans une situation extraordinaire assez, qui pour faire nous remet Jésus, pour nous pousser, pour nous dire tout le monde que nous rencontrons, Jésus a retourné. Mais, si vous respirez matin,
Sou ka lever matin pour mettre rad sou pour venir l'église là. Et même si c'est un monde qui te boit ou libre, même si c'est un monde qui te aide ou mette rad sou, gen moun ki pa gen chance là. Ou gen raison pour dire un monde que Jésus a retourné. Frère mieux avec sœur mieux. Sœur White lui dit comme ça. Oh, si nous t'es capable, même Jean avec Dieu Marie de Magdala, si nous t'es capable de lever tête nous, si nous t'es capable de quitter les oreilles nous ouvrir pour nous entendre voix Jésus qui dit nous, hâtez-vous d'aller dire à ses disciples, Christ est ressuscité. Ce qu'il dit ça dans Jésus-Christ, dans chapitre 87. Mais dans le premier écrit, il dit comme ça. Alors que j'ai cherché dernièrement les humbles disciples du doux et humble Jésus, mon esprit a été beaucoup en souci. Un grand nombre de ceux qui prétendent attendre la venue imminente de Christ se conforment à ce monde et recherchent avec plus d'ardeur les applaudissements de ceux qui les entourent que l'approbation de Dieu. Est-ce que ce n'est pas dans la pièce ça nous tomber? Moi-même avec ou pendant que nous avons dit Jésus a retourné très bientôt, est-ce que nous ne pas tomber dans le piège à chercher pour que le monde soit capable d'applaudir nous? Est-ce que nous ne pas chercher pour que nous politiquement corrects au lieu pour nous annoncer à tout le monde que Jésus a retourné? Oh frère mieux avec ce mieux. Je souhaite que ni moi-même, ni nous-mêmes, nous fassions l'expérience que Marie de Magdala a fait avec Jésus. Quand elle a réalisé que Jésus t'a restauré la vie. Et parce que Jésus t'a restauré la vie, il t'a décidé pour que lui capable avec tout cœur, avec tout âme, remet Jésus, bâille Jésus la vie et prend commission ça que Jésus t'a balayé au sérieux pour dire tout le monde que Jésus ressuscité. Je dis à le monde connaît que Jésus ressuscité. Mais mon mission que moi même avec où Jésus confié nous, c'est que Jésus a retourné. Et li ba nous l'évangile, le message des trois anges, pour nous dire tout le monde que Jésus a retourné. Nous besoin repentir, nous besoin quitter Babylone, nous besoin gagner le sceau de Dieu. Est-ce que moi même avec vous, est-ce que nous prêts pour mission ça? Est-ce que nous réalisons que Jésus mettait nous dans Beraka? Jésus retire nous dehors. Hein? C'est peut-être pour nous capables la lumière du monde. Pour nous capables en missionnaire, même j'ai avec Marie Magdala. Est-ce que il y a un monde là qui t'a aimé prendre décision? Même j'ai avec Marie de Magdala. Pour ma Jésus toute la vie. Si il y a un monde qui voulait prendre décision. Pour ma Jésus toute la ville, pour annoncer que Jésus a retourné chaque jour dans la ville, quel que soit à côté de nos passés, pour nous dire que c'est Adventiste du septième jour. Ça veut dire qui ça? Nous croyons que Jésus a retourné et nous croyons que dans le commandement de bon Dieu. Si il y a un monde qui voulait prendre une décision, ça, on nous mettait à genoux. On nous dit, même j'ai avec Marie de Magdala, bon Dieu, moi, je voulais remettre toute bagaille. Pendant que nous avons invité frère guerrier, pour le capable de venir prier pour nous-mêmes. Sous sentir important, alors que Jésus presque retourné pour annoncer le message ça, mettez à genoux avec et prenez la décision, dit bon Dieu, à partir de aujourd'hui, tout bon vrai, moi remets tout moi-même et que capable de faire de moi-même, un serviteur, un servante pour moi-même et que je suis capable d'annoncer que Jésus a retourné. Merci, que bon Dieu bénisse nous. Amen. Nous mettons à genoux pour nous prier. Bon étant de Père Céleste, Dieu fort et grand, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous entendons le message délivré par ta servante qui appelait nous à prendre cette décision ultime de notre vie
pour nous prêcher le message de la vérité présente, le message qui annonçait que le Christ va revenir. Ô Seigneur, nous connaissons grand pile monde matin qui avec nous dans l'assemblée, qui pour comprendre cette décision pour offrir au corps et âme à vous-même. Nous demandons en ce moment même que ton Saint-Esprit capable d'imprégner les cœurs de ces gens et faire ressentir la nécessité pour offrir au cœur à vous-même et à vous-même seul. Puisque nous vivons au temps de la fin, les signes d'être annoncés que ou pas trop loin pour retourner, ou à la porte que vous avez frappé. Seigneur, c'est le moment idéal pour que les gens qui peuvent prendre une décision ferme pour marcher ensemble avec vous, c'est le moment de le faire. Permettre au Dieu, en ce moment même, dans l'assemblée, ça, il y a des gens qui prennent une décision en Konya. Toucher que monde qui peut prendre décision ça dans moment ça, que des anges puissants capables d'actionner assemblée à un moment, que cet esprit est capable de manifester dans cœur dans moment ça même Seigneur, puisque vous saute utiliser ta servante pour annoncer que au pas loin pour tourner qui ça n'a pris de temps encore. Les événements de Matthieu 24 côté annoncé, il y a accompli sur nos yeux. Crime, guerre, tremblement de terre, tout bagaille ça on a prouvé, qui ça n'a pris de temps encore, Seigneur? Oh, touchez les cœurs de monde qui ont des gens sceptiques, bah, au songe, bah, aux révélations, puis aux capables de comprendre. C'est le moment idéal, pas arrêter en rien encore de yon, pour être capable d'offrir cœur à vous-même. Et nous-mêmes qui sommes des membres de l'Église, Père des cieux, qui dit que nous, c'est des adventistes du septième jour, nous avons la vérité en main. Manifestez ta puissance au cœur, nous, au fond de nous-mêmes, pour que nous prenions décision pour nous annoncer aux autres. C'est ça qui fait que réellement nous sommes des disciples. Si nous quittons l'évangile, là, nous ne pas aller de Yoa. Moun sa yo, sans yo pral tomber sous nous, puisque nous avons la vérité en main et que nous pas délivrer. Ô Seigneur de grâce, animez-nous par la puissance de ton Saint-Esprit, bat-nous le zèle de l'Évangile, pour que côté nous passer, nous capables de claironner haut et fort, le Christ va revenir, répétez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ô tendre Père, merci pour cette journée de sabbat, richement béni, espérant que chaque monde qui t'a fait déplacement ce matin senti nom yo béni après avoir écouté ta parole et que yo prend la ferme détermination pour marcher selon l'esprit et non selon la chair pour annoncer aux autres que ou à la porte. Aidez-nous Seigneur et bénis le reste de cette journée. Bannons Seigneur une option que nous-mêmes nous pouvons jamais prendre dans la vie nous à partir de ce matin même. Pour nous commencer pour la ferme détermination, pour marcher, prêcher ton évangile. L'évangile qui sauve et qui guérit, et que le monde qui va attendre, il va sauver pour le temps et pour l'éternité. Fais grâce, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen, amen, amen.